on essaye beaucoup de matériel, ouais. Et on en revient toujours à la même chose. Ouais. Très professionnel, qui a une grande qualité de fabrication, et il te va à toi, et pas une embouchure qui va à quelqu'un d'autre, même si ça... Bonjour, minasan, konnichiwa, Music Kando desu. 今回の動画は楽器とマウスピースがテーマです。 1本目のインタビュー動画で素晴らしいアルチェニアのソロを聴かせてくれたマーク・ギュージョン先生ですが、あの力強くてそれでいて繊細な音色がどんな楽器とマウスピースから出ているのか気になりませんか。このインタビューでは彼の使っている楽器マウスピース、そして楽器選びの考え方について、お伺いしてきました。特にマウスピースについては、このチャンネルへの質問が多かったので、カップ、 バックボア、スロートのサイズ番号に至るまで詳しく聞いてきてしまいました。そしてあの日本が誇る伝説のマウスピース職人も登場いたします。ここまで聞ける動画もなかなかないと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけたらと思います。それではどうぞ。さて、マーク先生、マーク先生の使っているトランペットやマウスピースはどういった楽器なんですか? Alors je joue des instruments de la marque Schilke depuis très longtemps. Depuis presque 20 ans. Avec les années, on a développé une amitié avec le patron de Schilke, Andrew Naumann, et son épouse, Julie. On a travaillé ensemble sur une évolution de modèle. Il y a 2 ans, on a sorti une nouvelle série qui s'appelle la série Soloist. On a développé un modèle en nut, qui est celui-ci, qui est le modèle SC4MG, et un modèle en si bémol, qui s'appelle SB4MG. En même temps, il y a une trompette qui a été faite aussi dans la même série avec Osamu Takahashi, donc à l'Orchestre Métropolitain à Tokyo. Et donc sur cette série soloiste, on a un modèle qui est à moi, je veux dire, en nut et en si bémol, et aussi les modèles qui sont pour le Japon avec Osamu Takahashi. Et donc je suis très content de ces instruments, je les joue tout le temps à l'orchestre et en soliste aussi. Je voulais un instrument qui soit... justement un petit peu qui garde les caractéristiques de qualité des Schilke traditionnels, de facilité d'intonation, et en même temps qui ait un son qui soit aussi adapté au jeu dans l'orchestre. Et donc ça me permet d'avoir un instrument qui est très polyvalent, que ce soit en ut ou en si bémol. Et après, comme embouchure, je joue des embouchures de Toshi Kameyama, des embouchures japonaises aussi. J'avais fait faire une embouchure au Japon par Momotake Kawamura. Voilà. Et donc j'avais rencontré Momotake Kawamura, j'avais fait une embouchure qui était bien. Et ensuite, à un concert de l'opéra à Paris, Toshi Kameyama était en visite en France. Et donc je l'ai rencontré, voilà. Et on est allé, après le concert, on est allé avec mon collègue Alexis Demailly qui le connaissait. On est allé boire un verre et je lui ai demandé s'il pouvait me faire une embouchure. Donc ça fait quelques années déjà. Et depuis, je joue mon embouchure qui est faite par Toshi Kameyama, qui est vraiment bon, parce que je trouve vraiment agréable pour moi à jouer. C'est vrai. Voilà. Bah, depuis longtemps, tu utilises... Oui, depuis longtemps, oui. Comme Eric. Comme Eric, comme Håkan Hardenberger, comme Reinhold Friedrich aussi, comme beaucoup de gens. Parce que ça fait partie, je pense, des meilleurs tourneurs du monde. Ouais. Et c'est quelqu'un qui connaît vraiment bien les embouchures et qui est très professionnel, qui a une grande qualité de fabrication et qui est vraiment d'une grande aide pour les musiciens pour obtenir le confort et le son qu'on a envie d'avoir. Donc je remercie beaucoup Toshi d'avoir fabriqué tout ça. Ouais. Peut-être il est content aussi. Ben peut-être, mais en tout cas voilà, c'est vraiment, pour moi, oui, un des meilleurs tourneurs du monde. Donc, j'ai la chance de pouvoir jouer une embouchure de lui. Ton embouchure, la taille, c'est le numéro combien chez Dac? Alors, mon embouchure, quelque chose peut-être entre un quarté et un C, Bac. Ah, donc, un peu plus gros. Voilà, avec la forme du bord, c'est quelque chose qui a du grip. C'est-à-dire qu'il permet de garder une lèvre en contact. Voilà, l'arête du bord est assez proche de la cuvette, ce qui permet de garder du contact. Voilà, ensuite le grain, throat, c'est 25. Et le backboard, c'est 24. Chez back. C'est back. Voilà, donc on dit une queue symphonique, un grain 25, et quelque chose aux alentours d'un quart C. Avant cette embouchure, tu as utilisé presque la même taille?
Alors au départ, j'ai commencé, je crois, avec une année et demie C, bac. C, oui. Voilà. Arrivé au conservatoire de Paris. Mmh. Quand j'étais élève d'Éric Aubier, j'avais un et demi C standard. Mmh. Et Éric m'a dit que c'était peut-être intéressant pour moi de jouer un peu plus grand. Mmh. Donc au conservatoire, j'ai joué un quart C, bac. Et ensuite, voilà. Enfin bon, là, c'était l'embouchure que Toshi m'a faite. C'est aux alentours d'un quart C. Voilà. Quand tu changes la trompette, par exemple, le mi bémol, un ut, si bémol, tu joues la même taille? Je joue même toujours la même embouchure. Mmh. Voilà. Pour la trompette en ut, la trompette en si bémol, mi bémol, mi bécart, je joue toujours cette embouchure. Oh. Juste parce que j'aime pas trop changer de confort, là. Toshi Kameyama m'a fait une embouchure avec les mêmes bords pour la trompette en mi bémol, oui, que j'utilise quand c'est vraiment des choses très aiguës en mi bémol. Mm. Mais pour jouer Haydn, Hummel, Neruda, Grünge, des choses que j'ai enregistrées sur mon disque qui va paraître bientôt, je joue cette embouchure. D'accord. Voilà. Schilke pour la piccolo, j'ai des embouchures pour la trompette à palette, donc voilà, Schilke aussi, j'ai Monke, des embouchures allemandes, Bresselmeier, donc j'ai plein d'embouchures en fonction du son que j'ai envie d'avoir, parce que aussi le son c'est moi qui le forme, c'est dans ma tête, mais le matériel peut aider. C'est tout vouloir jouer avec la même trompette, la même embouchure, c'est comme planter un clou avec un tournevis. Ouais. Tu peux avoir un super tournevis, ouais, mais c'est pas fait pour planter les clous. Tu vois, ouais. Donc, si j'ai vraiment envie de jouer un répertoire Brahms, Schumann avec un son plus rond, plus chaud, avec la trompette allemande, la trompette à palette, je vais avoir une autre embouchure que cette embouchure-là. Ouais. Si j'ai envie de jouer quelque chose de plus brillant sur la trompette mi bémol, je vais avoir quelque chose qui est un tout petit peu plus relevé, qui va me donner plus de timbre, de vie dans le son. D'accord. Donc voilà. Donc comme beaucoup de musiciens, j'ai beaucoup de sourdines pour obtenir la couleur, beaucoup d'embouchures, voilà. Mais essentiellement, je joue toujours celle-là. D'accord. Voilà. Et on est souvent des musiciens, on essaye beaucoup de matériel, ouais, et on en revient toujours à la même chose. À la même chose. Voilà. Donc bon, je joue toujours mes trompettes. Celle-là, par exemple, c'est le prototype qui a servi à la fabrication, ouais, et j'adore cette trompette en ut, et j'en ai une autre, deux autres même, qui sont les modèles de série, mais quand je joue, j'ai toujours ce prototype, parce que c'est celui sur lequel j'ai démarré cette aventure de ce modèle, et c'est le modèle qui me plaît, donc voilà, j'ai toujours ça. Il n'y a rien de marqué dessus, tu vois, c'est Schilke, mais il n'y a même pas de numéro de série, il n'y a pas de... Ah oui, ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien, mais c'est ma trompette. Donc, voilà, c'est celle que je joue tout le temps. D'accord. Voilà. Le matériel, c'est important pour le confort, mais c'est le matériel, ça n'est que du métal. Donc, ce n'est pas le matériel qui fait le son, c'est pas le matériel... Si tu joues une embouchure, la copie d'une embouchure de quelqu'un comme Eric ou... tu joueras pas comme Eric. Non. Tu peux jouer la même embouchure, la même trompette, mais ça sera pas comme Eric. Non. Le matériel, c'est intéressant d'avoir un bon instrument, d'avoir une embouchure qui nous correspond, qui peut être très diverse en fonction des personnes, que ce soit la taille, le diamètre, ça peut être des grandes embouchures. Moi, je joue assez grand d'entrée. Aussi parce qu'à l'orchestre, on a besoin de développer un son qui correspond au matériel d'orchestre. Mais il y a des gens qui jouent très bien avec des petites embouchures. Il n'y a pas de règle. C'est une embouchure qui te va à toi et pas une embouchure qui va
à quelqu'un d'autre, même si c'est un grand soliste, et ça sert forcément à rien de copier le matériel. Mmh. Il faut trouver quelque chose qui te correspond. Je pense que c'est important. D'accord. Voilà. はい、というわけで今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回は割とマニアックな内容の動画となってしまいましたが、皆さんの自分に合った楽器やマウスピース選びの一つの参考になれたらと思っております。動画の中で話に上がっていた亀山さんについても、今の状況が落ち着いて日本に行くチャンスがありましたら、なぜ多くの一流プレイヤーが彼のマウスピースを選ぶのか、その真相に迫れるようなインタビューをさせていただく予定ですので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。それではまた別の動画でお会いしましょう。ミュージック感動でした。